Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la plateforme nouvel épisode de Chroma Squad. Donc le tactical RPG de la chaîne actuellement, donc basé sur l'univers des Power Rangers, des Mighty Morphin Power Rangers de Saban. Donc Mighty Morphin Playroom forcément, avec Red qui est en fait White. Nous avions fini la saison 1 dans le présent épisode. Donc We Are Not Alone, donc saison 2, épisode 1, on en est à ce moment là. De Brad Zarnata, l'éditeur de UFO Today, d'accord. Cher manager des Mighty Morphin Playroom, votre show a été d'une lumière éclatante durant ces temps noirs, ces nuits noires de mensonges de gouvernement et de désinformation. Vous combattez. Vous prenez part au bon combat, sachant que en montrant aux gens qu'il y a de véritables menaces en dehors, et le peuple marche à nos côtés pour montrer la non et ces menaces marchant côte à côte pour contrôler la télévision et la musique populaire. Quoi qu'il en soit, je ne pourrais pas vous aider, mais vous faire remarquer que quelques détails et mauvaises interprétations dans votre fiction. Je suis un professionnel dans le sujet donc de tout ça, cette saloperie là qui fait donc tout ce qui est un petit peu extraterrestre. Et pour un petit peu d'argent, je pourrais être consultant chez vous. Je vous assure que votre présentation sera 100% en accord avec la culture extraterrestre telle qu'on la connaît. Bon, 80, aller dans notre réel, ça pourrait être sympa d'avoir des aliens, mais jusque là j'aime bien le côté kitsch des robots. Autant l'alien je l'ai pas trop aimé, autant le côté kitsch du barrel et du sorcier au feu. Donc aliens dans notre réel, je préfère continuer sur le petit côté kitsch. Oh non, c'est trop tard. J'arrive trop tard. Il vous contrôle déjà. S'il vous reste encore le plus petit sentiment de désir de liberté dans votre cerveau lobotomisé, couvrez vos têtes avec ce que je viens de noyer au studio. Je l'espère pour le meilleur. Hop, machin. Edward Ornoff, Ed Editorial, donc coolest.dad. Salut les Bonus Rangers, mon nom est Edward et je suis un grand fan de votre show. C'est toujours le meilleur moment de ma semaine quand je dois m'asseoir avec ma fille Ariana et vous regarder. Vos aventures et les histoires que vous nous racontez nous excitent. Et elle aime toujours tout le fun et la grosse quantité d'action que vous nous apportez. Je peux pas vous dire combien de fois she's run me down, yelling the name. Ah oui d'accord, combien de fois elle m'a foutu par terre en balançant le nom de ses techniques favorites. En me disant que j'étais le monstre que vous étiez en train de combattre. Maintenant qu'on aime tous les deux le show, donc votre émission. Je me suis mis à pouvoir partager avec mon penchant de fan avec mes enfants. Et avoir ce petit temps de partage est vraiment fantastique. Alors, est-ce que vous voulez... Je sais que ça rendrait ma petite fille vraiment heureuse si vous voulez bien répondre à ce message pour elle. Merci d'avoir lu et ne vous arrêtez pas de combattre. Edward et Ariana O. Oh. On va envoyer une image signée. Hop, voilà. Bonjour encore les Bonus Rangers. Merci beaucoup, ma fille était si excitée de voir la réponse que vous avez envoyée et l'image du casting que vous avez envoyé avec vos signatures donc sur son mur. Elle n'arrête plus de me parler. Elle n'arrêtera plus de parler de vous à propos de ses nouveaux amis, les Bonus Rangers, à tout le monde.
Merci encore pour nous aider avec ces moments spéciaux entre parents et enfants. N'arrêtez pas de combattre, Edward et Ariana. Génial, Fanny Krenz plus 20. Cool. Bah écoutez, c'est génial tout ça. Marketing, tiens non. Alors, on a encore de quoi faire au niveau des fans. 100 fan power. Allez, donne nous 125. Ah, plus 10 d'audience, ça peut toujours être pratique. On a encore deux épisodes avec cette agence là. Hein, crafting, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, les nouveaux casques qui sont absolument laids, je m'en rappelle. Recycler, non, bypax, ouais d'accord, ça je m'en rappelle. C'est quoi ça? Polyester, ok, pourquoi pas. Shop. Ça pourrait être sympa cette armure. Ah, il y a deux paires de gants bizarres. Bon, je vais considérer que c'est celle-là la meilleure. Ok. Hop, on va l'acheter pas pour tout le monde. On va l'acheter que pour deux. Rouge et vert. Vous allez voir pourquoi. Si on peut aller voir notre équipe. Actors, voilà. Équipement. Parfait, il a le bon truc. Voilà. Lui, j'aimerais lui mettre celui-là. Voilà. Oh, c'est pas les mêmes, c'est marrant ça. Équipé. Ah, c'est pas les mêmes. Tiens, augmentons sa contre-attaque à lui. Ok, pourquoi pas. Mince, je me suis trompé des trucs. Ok. Mettons lui ça. On peut lui mettre ça aussi. Au niveau des bottes, y a rien à changer. Et ici, qu'est-ce qu'on a changé? Ah, c'est presque dommage, elle a rien du tout pour elle. On dirait c'est la heal, mais bon. Alors là, on peut choisir donc des stats. Pinky Assist, Heal Duken, Energy Reserve, c'est quoi ça? Skill, ouais, d'accord. Circle of Friendship. Et la ligne. D'accord. Ici, c'est quoi? Ça m'oblige à la faire attaquer, donc ça m'intéresse pas. Ici, qu'est-ce qu'on a? Greeny, donc Fine, Weakness et Multishot. Multishot était pratique. Ok, Sniper Cat, gain 8% de damage for each style you descend from target when you attack. Ça peut être intéressant. Ah, je vais garder celle-là, pourtant elle est pas mal. Donc le Eagle Lasso, là on a quoi? Le Fan Club. Team Acrobatique et 35% pour Team Attack, d'accord, ça c'est pratique aussi. Spears, non. Gank, ouais, non, ça c'est clairement le mieux. Pour l'instant, ce qu'il y a d'utiliser, ce qu'il y a de déjà mis, était mieux. Hein. D'accord. Donc celui-là est clairement le mieux aussi. Stunning pose. Ah, je prends ça. Ok, bon, studio c'est bon. Mecha, est-ce qu'on a quelque chose à faire au niveau du mecha? Pourrait être sympa ça. Allons-y, faisons ça. Hop. Au niveau de la tête, est-ce qu'on a quelque chose à faire, de sympa à faire. Ouais, non, au niveau du bras. Ouais, au niveau du bras, c'est bon ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a rien du tout. Et au niveau des jambes, est-ce qu'on a quelque chose à faire? Ouais, ça peut être sympa ça. Alors, je me fie plutôt à la tronche que ça. Plutôt qu'à. Les stats en elles-mêmes. Et donc on va partir pour le premier épisode de la saison
2, pardon. Max audience 4000, location, d'accord. Je veux dire que ce premier épisode là, de toute façon. Et donc on a un extraterrestre. Bon bah écoutez. Une menace réelle sur le monde entier se tourne vers les choses, les personnes précieuses et les choses précieuses de nos héros. Vont-ils réussir à l'arrêter à temps? Donc première partie, gardez tous vos héros vivants, tuez 10 ennemis. Deuxième partie, 4 ennemis en un seul tour. Et battre, gagner la partie en 5 tours. Finishing move, defeat the boss before defeating all the minions. D'accord. Ok, bah on y va, chers amis, écoutez. Ça va être vraiment un gros épisode pour le coup. Mais bon, c'est pas grave. Une toute nouvelle saison. On devrait introduire plus d'épisodes dramatiques. Sinon, l'audience pourrait se fatiguer, s'ennuyer. Ou s'ennuyer, voilà. Se fatiguer ou s'ennuyer. We should make them... On devrait faire les épisodes encore plus réalistes. Ouais. Ne vous inquiétez pas, les amis. Notre nouveau script a affiché ça donc sur la première page. Aujourd'hui, nos... Aujourd'hui, t'es censé être le... Comment on était supposé être... Un jour normal dans la vie de nos héros. Mais avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Je suis à peu près sûr d'avoir entendu cette ligne dans un film. Ah, laisse parler le narrateur, Yellow. Prépare-toi, mets-toi en position. Bon, allons-y. Que feraient nos héros s'il n'y avait pas de problème s'il n'arrivait jamais rien. Les montres doivent bien apparaître pour une bonne raison. Ah, je l'ai acheté ce fond. On dirait qu'ils sont après nous. Phew, on vous a trouvé. Toute notre équipe devrait être là dans très peu de temps, Bonus Ranger. Vous avez nulle part où aller. J'ai pas compris la phrase. Forcément, ils sont tous là. Encore plus, aujourd'hui semblera être un bon jour. Attrapez-les! Nos héros doivent survivre aux attaques de ces minions qui sont venus de nulle part. Attendez une seconde, où sont les effets en temps réel des chromaqués, des clés chroma? Je prévois d'ajouter des effets spéciaux par ordinateur à cette scène plus tard. Maintenant, utilisez votre imagination. Tuez 10 ennemis. Oh, ça va être cool. Donc on commence par les trucs qui tirent à distance. Voilà. Ok. Power bonus. On se regroupe tous. All hail Marcus. Ouais, bah les nouvelles armures sont pas top. Enfin, l'armure en elle-même est top. Par contre, le casque est vraiment pas top. Et le Dokken et le truc. D'accord, ok, donc ça marche comme ça. Pourquoi pas. Allons-y, jaune, vas-y. Ah, oh, il a esquivé. Salaud. Ah, oh, j'aurais pu utiliser une technique spéciale. Non, on va se retenir. Hop. Viens par là, toi. Eagle Lasso. Pouf, pouf, pouf. Salaud. Heureusement que Rose est là. Que Pinky est là. Oh, on s'est pris une belle, dis donc.
Vraiment, essayer d'avoir les pistolets le plus rapidement possible. C'est eux le principal problème, entre guillemets, des personnages. Hop. Ok. Juste pour voir. Multishot. Voilà. On va mettre ici. Hop, pour il est. Ouille. Ouais, je m'en doutais de celle-là que j'allais prendre chez elle, mais enfin bon, à ce point-là. Boum. Allez, vas-y, jaune. Ah ouais, alors toi, t'es hyper lent, je m'en rappelle. Si on peut faire avancer certains personnages un peu plus vite grâce à toi, ce serait cool. Parfait. Allez. Et boum. Le tour de l'ennemi. Apparemment, ils font pop encore des monstres. Jusque là, ça se passe plutôt bien. Encore 3 tours à survivre. Oh la vache, bien joué. Voyons voir ce que ça donne. Square House Kick. Waouh. Si c'est pas complètement la classe, ça, chers amis. Boum. Parfait. Toi, tu m'inquiètes un peu plus, je dois l'avouer. Ouais, j'aurais dû attaquer le pistolet. Où est-ce qu'il va aller? Ouais, je m'en doute. Super loin. Mais... Oh la vache, il l'a esquivé aussi. Oh, la gueule, ce manque de bol. Hop là. Boum. Respecte mon autorité. Aïe. Encore d'autres. C'est pas grave. La gueule, il est balèze celui-là. Oh putain, j'étais ce quand il dodge. Hop les. Aïe. Parfait, on les a eus. Bon, première partie est terminée de l'épisode. Qu'est-ce que c'était que ça? Pourquoi ils nous ont tous attaqué? Ben, on a un peu détruit le mec avec le feu rouge il y a quelques jours, hein, quand même. Hein. Bip bip. C'est un message de... Oh non, Cérébro est en danger! À la chambre, le Cérébro! Pendant ce temps, dans la chambre du Cérébro, des gros sacs sont apparus. Vous n'arriverez jamais à vos fins, vilain. J'ai prévenu les bonus rangers de votre présence. Et nous voilà. Bonus rangers, vous arrivez juste à temps. Ouah, qu'est-ce qui se passe ici? Ils ont traqué notre playmec. Et ils ont été capables de me trouver. De trouver notre cachette. Ils veulent tout détruire. Préparez-vous. Il y a plus d'ennemis qui arrivent, forcément. On est dépassé. Voyons voir si vous êtes capable de survivre à ça. Laissez vos âmes brûler, bonus ranger.
Est-ce que nos héros sont capables de faire face à un tel problème? L'emploi à XD, comment veux-tu que je mette ça à XD? Notre narrateur parle des si drôles. Et si drôles, simplement. Battre 4 ennemis dans le même tour. Gagner en 5 tours. Hop. Multishot. Voilà. Bon. Normalement, j'ai réussi le. Je me battrai jusqu'à la fin. Je n'abandonnerai jamais. Il a esquivé la balle, par contre, lui. Voilà, on a réussi le premier truc. J'hésite. Hop. Si je peux le ramener ici. Hop. Si je peux déplacer celui-là. Tirer sur celui-ci. Oh, il a esquivé. Bravo. Ah bon, au prochain tour, ils sont tous morts. Normalement. J'aurais peut-être mieux fait de me taire. Hein. Ouh. Ouh, boum, boum, boum. Allons-y. C'est presque dommage qu'il n'y ait pas une technique, vous savez, il saute et il attaque en même temps. Ça pourrait être spectaculaire. Ça s'est fait aussi, chers amis, une deuxième partie de l'épisode faite. Bon boulot à tout le monde. On a eu un super tournage ici. What? Maintenant voilà le deal, les Teletubbies vont rejoindre la scène. Et on devra les battre avec un mouvement final. Une attaque de fin. Enchaîner les combats n'est pas dans notre code de héros, Black. Nos fans ne seront pas heureux. On a déjà beaucoup de tournage de fait, on va simplement éditer le boss à la fin, quoi. D'accord. Alors continuons. Pourquoi pas. Retournons sur scène, Teletubbies. Ah non, arriver sur la scène Teletubbies. Ouais. Non, 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 pas comme ça. Allez, t'es sur un endroit secret, t'es dans une cachette secrète. Personne ne peut arriver comme ça en sautant. Désolé, je vais essayer dans un autre mouvement. Bon, ok, on y retourne. Allez, arriver sur scène, Teletubbies. Ah, c'est déjà plus classe. C'est comme ça qu'on aime. Je vous détruirai tous et après le cérébro. Et après encore et encore et encore et encore. C'est bizarre. Mignon, mignon. Ah putain, il est en... Ah la vache, il est loin. Comment le jaune peut l'attaquer? Ah oui, de là. Voilà, alors si on peut simplement le stunt, ce serait cool. J'aurais pas dû faire ça, j'étais complètement stupide. Hop là. Mais bon, c'est pas grave.
On va essayer d'aller le bloquer. Il faut qu'on le batte en très peu de tours, je crois. Je sais plus du tout. Je sais plus du tout. Putain, il est pas au bon endroit. Si, ça devrait être bon. Si, ça devrait être bon. Hop. 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 Mince. Non, faut que j'attaque tout de suite. J'ai pas battu. Putain, je l'ai battu. Non, j'avais peur de le battre. Non, j'avais peur de pas le battre avec un seul truc. Fais chier. Mince. Bon, bah tant pis. Écoutez, j'ai eu peur. J'ai eu peur de perdre les 50 points d'audience. Vous savez, les 200 points d'audience stupidement, là, ou les 50 points d'audience stupidement. Et du coup, bah voilà. Bon, bah je saurai la prochaine fois que je bourrinerai, chers amis. Je bourrinerai. Vous m'avez sauvé. Ils ne vous détruiront jamais. On a un monde à sauver et on a besoin de vous de notre côté. Mais Cerebo, comment ont-ils pu traquer notre playmec? Probablement à propos au sujet grâce à la nature des composants de notre playmec. J'imagine donc qu'ils ont encore une chance de rentrer encore. On devra rester vigilant. Et bonus ranger, une chose de plus. Enfin. Oui, Cerebro, encore une chose. Est-ce que vous pourriez nettoyer tout ça? Parce que je peux rien faire avec ça. Je peux rien nettoyer, moi, personnellement. Bah oui, c'est un cerveau dans un bocal, donc normal. Hop. On a obtenu quelques petits trucs sympathiques. Et une bonne quantité d'argent, une très très bonne quantité d'argent. Et 150 fans supplémentaires, bah voilà qui est parfait. Donc ma figurine des bonus rangers est arrivée, je suis super heureux de pouvoir les supporter. Quelle série est la plus regardée, la meilleure du moment? Votez pour les bonus rangers à short.li slash... Ma petite amie était un peu sceptique quand t'as regardé le show, et maintenant elle est fan. Génial, c'est génial que les bonus rangers ont pu avoir une seconde saison. J'espère que leur show pourra continuer pendant plusieurs années. D'accord. Crafting, on va... Tiens, on a des épées à crafter. Oh, oh, il y a des super trucs là, chers amis. Ça ressemble à quelque chose, mais seulement sur VHS, quoi. Ah, c'est cool. Alors, attendez, peut-être moyen de faire quelque chose d'intéressant. Alors, vous inquiétez pas, j'ai bien vu qu'on avait un mail, hein, mais je vais le regarder, je pense, dans le prochain épisode pour me rappeler à peu près ce que ce sera, etc., etc. Hop. Manque de chance, hein. On en fait ça avec ça et ça on en fait avec. On n'en a pas, d'accord. Ok, pourquoi pas. Shop, est-ce qu'on a quelque chose à acheter en armement? Ah bah voilà. Roll assist, donc c'est pour la rose. Roll lead. Roll scout, d'accord. Ok, donc il y a moyen d'avoir des armes pour tout le monde, c'est cool. Marketing, on devrait être bon au niveau fan, on peut. Hop, tout prendre, parfait, c'est génial. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a? Ça me semble plutôt bon. Un gros chat. Bizarre, très bizarre. J'imagine que ça peut être intéressant sur quelque chose, ça. Ah, ça peut être intéressant aussi. Ça, je l'active. Avoir plus de choses qui tombent. Ça aussi, ça pourrait être utile. Hop, je le prends aussi. Crac.
On verra bien par la suite ce que ça donne. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. On peut retrouver le lien par dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Starbound si vous avez le jeu. Quant à moi les amis, bah, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.